Kama. Sapama. Aïe. Lydia, viens. Ça va? Approche-toi, faut pas avoir peur de moi, je ne mords pas les gens. Viens, ça va? On est quoi? C'est bon, non, laisse-moi. Je ne voudrais pas sans nous. Non, mettons ça aujourd'hui, Hey, vous êtes mon patron. Ça fait quoi? C'est ça même qui est bon. Regarde, il n'y a personne, on est deux seulement. Tu vois, non? Et tu vois, je pourrais même te confier la gestion de ce salon-là. C'est moi qui te dis. Assieds-toi. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Tu vas avoir encore d'autres avantages. Assieds-toi. Tu vois comme c'est intéressant. Tu vois comme c'est intéressant. Voilà. Regarde, je vais même t'offrir une voiture, une villa. Et je peux même te faire un passeport diplomatique. Comme ça, tu pourras aller en Europe partout où tu veux, sans visa. Laissez-moi tranquille. Avec tout le respect que je vous dois là, arrêtez donc, ça. Tu me respectes, non? Oui. Tu me respectes, non? Donc laisse-toi aller. Mais ça fait quoi? Non, vous êtes mon patron. Non, mais ça fait quoi? On attend, mettre ça. Attends, doucement. Non, attends. Oh. Attends, ça ne dure pas. Sors de mon bureau. Oh, sors de mon bureau. Regarde-moi ça. Tu n'as pas honte. Ah. Tu n'as même pas honte. Boss, y'a quoi? Je vois, non. Monsieur Go. Monsieur Go a fait quoi? Il m'a coincé ici. Moi, je t'ai coincé. Boss, une petite fille comme ça. Oh, qui t'a dit qu'elle est une petite fille? Moi, j'ai failli te violer. Papa. Je ne peux pas tomber aussi bas. J'ai ma femme et puis mes enfants. Comment moi je peux la violer? Je suis quand même un citoyen honorable. Mais tu vois, il n'a pas violé la petite fille. Sinon, monsieur Go. Moi, je suis venu par rapport à un problème personnel. Mais je ne vous savais pas obsédé sexuellement. Non, mais ça ne fait pas ça. Monsieur Gou, vous êtes un danger permanent. Impoli, en plus. Casseuse de foyer. Chasseuse de mari détruit. On dit que tu veux violer la petite. Oh, c'est faux. Comment ça peut bien faire? Maman, j'étais assis là. Elle est tournée comme ça. Moi, je dis, tu veux quoi? Elle dit, monsieur Gou, je vais te parler. Je dis, mais parle-moi à distance. Parle-moi à distance. Maintenant, elle a tourné. Fille, elle est venue vers ici. Je l'ai poussée encore. Elle a tourné, elle voulait sauter, même là, elle voulait sauter. Et moi, je l'ai repoussé. Maintenant, je ne sais pas par quel miracle, elle est arrivée ici. Et je dis, tu veux quoi? Elle dit, monsieur Kou, vous êtes un joli garçon, je vais sortir avec moi. Pourquoi? Moi, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Je t'ai fait quoi? Tu veux sortir avec moi, je t'ai fait quoi? Tu as cherché un garçon, jusqu'à tu n'as pas trouvé. C'est sur moi que tu es arrivé. Elle me dit, ouais, Abba, c'est Marie-Jo, ce n'est pas des travailleurs. Abbas, lui, passe ton temps à te critiquer, à t'insulter, à chercher les petites filles, à écouter la musique. Marie-Jo, là, on ne parle pas. Il t'a fait quoi? C'est pas possible, mais c'est pas possible. Vous êtes une piètre menteuse. Vous n'avez pas honte. En tout cas, monsieur Gou, ne vous laissez pas faire. Hein. Ce sont les techniques des dragues. On connaît ça ici. Donc là, soyez très vigilant, monsieur Gou. Ok? C'est que sur moi je sors, mais je vais revenir. D'accord. A tout à l'heure, monsieur Gou. Merci. Elle me dit encore. Ah bah, elle me dit que Marie-Jo là, c'est pas une travailleuse. Que moi, de la renvoyer, qu'elle va me proposer des coiffeuses. Tu trouves ça normal? Tu es sans cœur. Hein? Marie-Jo qui cousait toi est en cadrisation, comme ça tu parles d'elle. Oui, et c'est pas tout. Au moment où je voulais refuser net. Elle m'a attrapé comme ça. Je lutte pour me dégager, impossible. C'est là la force. Hein. Elle a la force, elle peut même frapper quiconque. J'ai dit, j'ai tenté de me dégager, impossible. Elle m'a embrassé. Elle t'a quoi? Elle m'a embrassé. Elle t'a embrassé? Oui. Boss, tu t'es protégé? Non. Elle m'a embrassé dans mon bureau aussi. Dans mon bureau, mon propre bureau. Elle m'a embrassé. Mais elle s'est embrassée. Hein. Ah ouais, elle s'est embrassée. J'ai lutté. Je la dégage. J'ai dit, je vais te frapper. J'ai dit, impossible. Mais elle s'est embrassée. Elle s'est embrassée. Donc, j'ai lutté. J'ai dit, laisse-moi. Tu n'es pas mon genre de fille. Elle m'embrasse. Mais elle s'est embrassée. Hein. Elle t'embrasse toujours. Elle m'embrasse toujours. Toujours. Elle m'a embrassée. C'est ça. Moi, c'est donc. Au moment où j'ai eu un sursaut d'orgueil, j'ai pris une force surnaturelle. Et puis je l'ai tiré, je l'ai balancé. Ça suit, ça vous est venu tomber là. J'ai eu la chance. Mais tu as eu la chance, Bob. Mais elle s'est embrassée quand même. Ouais. Tu n'as pas honte.
C'est-à-dire que tu fais bouge dans le salon là, blanc, blanc, blanc. C'est blanc qui est là. Hein? Mais bon, si tu veux sauter avec un vieux là, le petit là, il t'a fait quoi? Hé, hey, Abbas, je t'ai giflé. C'est moi, petit. Bon, je te défends et puis tu me fais. Regarde-moi ça. Abbas, je laisse moi à Dieu. Oh, quitte là. Ça, c'est quand quelqu'un a échoué qui parle ça. Il laisse à Dieu. Toi, Dieu te connaît? Lydia. Tu vois, toi que j'ai considéré comme ma fille. Ta fille. Et c'est moi-même que tu veux cueillir maintenant. Tu penses que c'est une mangouée? Et tu penses que je suis un garçon facile? Non. En plus, tu n'es pas mon genre de femme. Mmh. Regarde-moi ça. Moi, j'ai résisté à des filles. Les Miss Monde. Miss Tokyo même m'a fait des avances. Miss Tokyo. Hein? Miss Tokyo avec des lingots d'or. La vraie, vraie. La vraie, là. Je dis, moi, je ne suis pas facile. Hein. Même pour tout l'or du monde, moi, je ne peux pas accepter. Et puis. C'est pas toi qui vas m'avoir? Respectons-nous un peu dans ce pays. Mais oui. Monsieur Gou, vous là, vous pouvez être ministre du mensonge et de la grande gueule. Moi, Gou. Moi, Gou. Laisse-moi. Non, boss. Non, boss. Boss. Boss, faut laisser. Abbas, c'est à cause de toi. Hein. Non, j'ai vu ça. Abbas, c'est à cause de toi. Hein. Boss, j'ai vu tu ça. Tu vois, j'allais bouger gueule là. Non, faut la mieux. J'allais bouger gueule là. Faut la laisser, boss. Faut te calmer. Faut te calmer. Moi, mais il va arranger tout ça là. Tiens, allons-y. On va où? Où? On va chez moi, tu vas dormir là-bas. Pourquoi? Bon, tu n'as pas dit l'embrasse bien. Ah bah je t'ai giflé. En douille.